tenais le monde, ne serait-ce qu'une petite journée. Je laisserai tout tomber et me consacrerai à cette chance donnée. Être à la tête du pouvoir et enfin dominer. Pour mettre en ordre tout le bordel dans cette société. Je prierai pour établir dans le monde entier la paix et faire disparaître la misère sociale dans tous les quartiers. Étant au bas de l'échelle sociale, je pourrais à présent regrimper, me trouver dans une phase d'apogée où j'arriverai à m'affirmer. Si je tenais le monde, crois-moi que je ferais tout ce que je voudrais. Offrir des choses auxquelles je n'avais jamais pensé, sans en abuser, car une grande cause implique une grande responsabilité. Juste faire un CD, c'est ma seule priorité. En claquant des doigts, je pourrais tout avoir, mais faut pas rêver. Y'a qu'en bossant qu'on atteint l'objectif qu'on s'est fixé. La pression m'engloutit en face de cette réalité. Pour moi la fiction c'est le rap qui me permet de m'évader. Soutenir le monde je l'aurais fait si je le tenais. À portée de main je le palpais, mais je ne peux m'imposer. Gérer tout ça c'est simple et à la fois compliqué. Je me serais débrouillé et le monde m'a abandonné. Soutenir le monde je l'aurais fait si je le tenais. À portée de main je le palpais, mais je ne peux m'imposer. Gérer tout ça c'est simple et à la fois compliqué. Je me serais débrouillé et le monde m'a abandonné. Si je tenais le monde ça serait comme un flingue bien chargé. Je préfère le mettre en déco que penser à tuer. À la populace, je prouverai mon efficacité. Pas par la violence, mais par la pacificité. Et ainsi profiter de ce court instant m'étant accordé pour libérer tout ce monde de l'obscurité. Je voudrais juste que mes actions soient un jour remerciées. De ces 4 années passées dans le RAP, si je tenais le monde comme quiconque, j'aurais pas tout bousillé pour ensuite arriver dans une impasse bien clôturée. Seul Dieu et mon âme savent quelle sera ma destinée ou quand ma carrière artistique tombera dans un fossé. Ce que je sais, c'est que je représente le 9-4, Val-de-Marne, département situé au sud-est de Paris où je suis né. Le monde se tient à carreau face aux lois désordonnées. Le seul moyen pour s'en sortir, c'est taffer. Soutenir le monde, je l'aurais fait si je le tenais. À portée de main, je le palpais, mais je ne peux m'imposer. Gérer tout ça, c'est simple et à la fois compliqué. Je me serais débrouillé, mais le monde m'a abandonné. Soutenir le monde, je l'aurais fait si je le tenais. À portée de main, je le palpais, mais je ne peux m'imposer. Gérer tout ça, c'est simple et à la fois compliqué. Je me serais débrouillé, mais le monde m'a abandonné. Si je tenais le monde pour la vie, j'aurais pas vraiment aimé. Mon blasoré était carrément dévalorisé. Sur le long terme, je me serais rendu compte que le choix était mauvais. Rester dans l'anonymat pour pas être harcelé. Je crois que ça fait 5 piges que je vis sur la lune en passivité. Mais c'est de là-bas que je puise mes ressources en créativité. Désormais possédé par le rap, je ne peux plus reculer. C'est avec ça que je vis et c'est avec ça que je mourrai. Si je tenais le monde, j'aurais fait aimer le RAP. C'est raté car à l'heure actuelle, on dit que c'est démodé. Il est plutôt stone, plutôt dancehall. Le rap perd sa popularité, j'ai pas eu de bol. Mon vocabulaire c'est des modes à fond, je suis même pas dans le mouvriquin. J'écoute du rough pour me remettre dans le bain. Le sens de la réalité est revenu et je vois ce que je suis. Un adulte irresponsable, inconscient de la dureté et de la vie.